Bonjour, chers compatriotes togolais. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, le 11 mars 2022. Je viens une fois encore m'adresser à Faure Essojena Nyasigbe et son premier ministre. Madame Victoire Dobé, tu es une femme. Faure Essojena Nyasigbe, tu prétends être le président du Togo. J'interpelle toute ton administration. Vous avez une mère, vous avez une sœur. Accepterez-vous que votre maman, votre sœur, va au marché pour aller vendre et qu'un policier peut la tabasser à mort, l'envoyer à l'hôpital et l'enchaîner sur son lit d'hôpital? L'accepterez-vous? Bien chers compatriotes togolais, vous voyez, quand je vous parle, vous n'écoutez pas. Quand je vous parle, je vous donne des renseignements, des informations. Vous m'attendez, vous écoutez, mais vous n'attendez pas. Chers compatriotes togolais, je viens d'avoir une photo avec un message ce matin. Cela révolte. Une jeune femme qui va aller vendre des marchandises au marché. Les policiers la taxent, veulent lui donner un ticket pour 500 francs. La dame n'a rien vendu. Elle dit que les policiers, les forces de l'ordre peuvent prendre 300 et revient prendre le reste. Je vais essayer de vous envoyer la photo afin que vous voyez ce qui se passe au Togo. On tabasse la pauvre dame jusqu'à l'envoyer à l'hôpital. Togolais, jusqu'à quand vous allez vous révolter? Jusqu'à quand vous allez prendre votre destin en main? Jusqu'à quand vous allez dire à ce gouvernement, trop c'est trop, il y en a assez? Quand? Et vous, les policiers, les militaires du Togo, vous voyez ce qui se passe, right? Vous ne faites rien. Restez là. Restez là. Restez là. Aujourd'hui, c'est cette dame. Demain, ce sera votre tour. Restez là. Merci à vous. Bonne journée. Merci.